Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Meuse, au GEC Lily, chez Barry et Judith qui m'accueillent pour me faire visiter leur exploitation avec un bâtiment flambant neuf. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur votre belle exploitation. Bah, avec plaisir, vous êtes bienvenus. On va attaquer par la visite, du coup on va tout de suite aller dans le bâtiment. Il n'y a pas de souci. Bah, on arrive dans notre nouveau bâtiment. Magnifique. Avant qu'on commence à parler du bâtiment, j'entends que tu as un accent... pas français du coup. Pas plus français. Bon, tu m'as déjà expliqué, mais raconte un peu du coup. Nous on revient d'Hollande et c'est pour ça nous à Hollande on n'a rien à recruter derrière nous. Ouais. Et c'est pour ça on est reparti à France pour d'installer. Ça fait déjà presque 25 ans, on est là. D'accord. Et du coup Hollande, le pays de chez Lélie. Le pays de Lélie et c'est pour ça. Le village à côté. C'est notre village à côté, l'usine est à côté de nous. Donc tu étais obligé d'être habillé en Lélie quoi. Un peu, oui. C'est ça pour ça, c'est notre soi. Donc le bâtiment, du coup pour reprendre ce beau bâtiment, qui abrite combien de vaches ? Il y en a pour 144 logettes. Ok. Et il y en a aujourd'hui, il y en a 125 pour naissant au robot. Mais, ok. Pour un quota approximatif de... 1,3 million. 1,3 million. Ok. Le bâtiment là, le bâtiment en bois, c'est par les MG. Ouais. On a choisi le bois, c'est plus chaleureux. C'est même. Sûr, c'est sûr. Il n'y a pas le condensation. Condensation. Ouais. Ouais, donc c'est sûr que c'est mieux. Il y a quoi en surface ici ? Il y en a 2000. 2500 mètres carrés. Ouais, 2500 mètres. Du coup, sur le bâtiment, comment ça se fait qu'il n'y a pas de translucide sur qu'un seul côté ? Que ça, on aura fait pour le côté de soleil. Comme ça, ça chauffe moins en l'été. Oui, il y a toujours une bonne température, pas trop froid l'hiver, pas trop chaud l'été. Pas trop chaud l'été, c'est okay. Ça. Du coup, les filets, donc, c'est la marque Agrotel, c'est ce que j'avais déjà pu voir sur l'exploitation que j'avais filmé en début d'année. Mais les tiens, ils s'ouvrent que par le dessus, c'est ça ? Non, qui sont de haut en bas, de bas à haut. Ah, tu on peux ouvrir faire dans tous les sens. Ok. On ouvre le haut pour sortir bien l'ammoniaque pour sortir dans le bâtiment. Ok. Et en l'été, on peut remonter le bas, comme ça il y a un courant d'air en bas, et comme ça le fourrage et le protéger au l'ombre. Ils sont au l'ombre par les. Ok. Oui, donc c'est un réel intérêt d'avoir des paravents au bord du bâtiment. Au bord du bâtiment, oui. On est plein d'avantages avec ça. Ok. Sauf les logettes, ils sont flexibles. Ok, c'est la première fois que je vois ça. Ah, oui. C'est quoi du coup l'avantage d'avoir des logettes flexibles ? Pour nous, que les vaches ont mieux confort quand ils sont couchés, que pour pas faire les blessures sur les dos. Ouais, ça permet de décale un peu la logette si elles se couchent dessus. Quand ils sont couchés dessus, okay. Ça décale un peu. Okay. Et même pour les bonhommes ou bonnes femmes, ils vont travailler dans les vaches pour repousser les vaches. T'es pas bloqué entre les vaches et un tube d'air. Ok. Bon bah du coup là qu'on est au bout, on va rentrer dans les allées puis aller faire un peu le tour des équipements à l'intérieur puis enfin aller voir les robots. Aller voir les robots. Ils sont quand même importants, c'est eux qui tirent le nez. C'est eux qui travaillent 24 sur 24. Hop. Donc là du coup le Discovery. Donc celui-là, il repousse, il aspire pas, c'est ça ? Il repousse que dans le caillebotis. Ok. Caillebotis, les mêmes que dans la ferme que j'avais visitée. Ah. Donc ça, du coup, c'est béton et plastique, c'est ça ? Oui, c'est le Boviflex de Kobeva. Et ça glisse pas, c'est... Voilà, j'allais te poser la question pourquoi tu as choisi ça, mais voilà. C'est les vaches, c'est le confort des vaches. Ça fait moins mal aux pattes aussi, qui me disait, ça abîme moins là. Elles sont câlines, tes vaches. Ah ouais, elles sont bien gentilles maintenant. Oh mon Dieu. Ils sont contents de voir. Allez, on va passer, on continue. Allez, nénette. Elles se poussent même plus. Bon, deux robots du coup. Deux robots. Lily. C'est quoi, c'est les A5, je suppose, sur un bâtiment ? C'est les deux, les A5, ouais. Le nouveau génération. Ok.
Bon, ben là, on a déposé tête en tête. C'est comme ça, une traite à droite, une traite à gauche. Ouais. Oui, au bout de chaque grande allée d'alimentation. Ils sont à l'alimentation. Du coup, les robots, avant, tu étais en salle de traite, tu m'as dit tout à l'heure en off. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Bon, on a des vagues idées, mais en termes d'un peu de chiffres, du concret. En chiffres, depuis qu'on est là, on était dans l'ancien bâtiment, on a 9000 litres de moyens par an, par vache. Le dernier contrôle été, on a déjà monté à 10 800. D'accord. Ça veut dire dans les 7 ou 8 mois qu'on est maintenant déjà dans le nouveau bâtiment et le traite par le robot, on est quand même pas mal monté en litrage par vache. Tu m'étonnes. Ça traite super bien. Les vaches qui sont vite fait habituées quand même. Oui, il y a ça aussi. Dans un nouveau bâtiment, il faut s'y habituer. Oui, oui. C'est sûr. Et là, les vaches qui sont quand même plus vite habituées que le bonhomme. Ouais, c'est sûr qu'il faut s'y faire au début. Arrêter de traire le matin, le soir, c'est sûr. Ah oui, ça c'est un peu dur, mais non, c'est un truc qui, Lely, c'est un bon marque, bon service. On en voit pas mal quand même. Après, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et là-bas, du coup, RPI, tout ça, on va aller voir là, on va aller voir ça. Oui. Et l'air paillé qu'on a fait en deux parties. Ouais. On a fait une partie pour les vaches après les vélages. Pour une petite semaine, il va rester sur l'air paillé. Une partie pour les vaches avec un problème. Malade. Ouais. Infirmerie, vraiment infirmerie. Ouais. Et les cases de parage, Lely Vopa, qui est là, ça permet les vaches qui boitent c'est le top d'avoir ça de garder tout de suite. C'est clair. Au moins, tu fais ta pédicure tout de suite. Quoi. Ben, c'est ça. C'est clair. Une vache qui boite, elle ne va pas au robot tout seul. C'est sûr. Et ça, c'est important. Ouais. Bon, maintenant. On est occupé aussi avec les genoux. Ouais. Et ça, c'est un truc que ça me fait pas mal au dos. Ah ben, hein, c'est autre chose que la fourche. À tout à la sûr. Fourche et. Il y a de la longueur. Ça, on va voir l'ancien bâtiment. Ouais. Ça, c'est toutes les histoires. Il a commencé ici. C'était quoi l'année précise que vous êtes arrivé ici? C'était en 1997. Mon année de naissance. Ah ben, c'est une bonne année. C'est une bonne année, du coup. C'était une exploitation que vous avez rachetée, quelqu'un qui arrivait. On a acheté l'exploitation, il était en faillissement et. On a acheté le bâtiment. Vous l'avez bien redressé, visiblement. On est changé, on fait rénovation. Ouais. Et c'est pour ça, avec les nouveaux projets, on dit on va faire encore les rénovations ou on va faire. T'es demandé si soit tu rénovais celui-ci, soit tu faisais. un nouveau bâtiment, oui. Ok. C'est... Bon, on va aller voir dedans. Ouais, allez, on y va. Du coup, l'ancien bâtiment. Quelle année celui-ci, première conception du moins? 60. Je pose une 60, colle. Oui, 60. C'est 60-70 qu'il est monté. Du coup maintenant, t'as mis quoi comme vache? Parce que du coup tu t'en sers bien évidemment de ce bâtiment. À cause qu'on est quand même augmenté le troupeau pour voir les deux robots, on est quand même plus de jeunes. Ouais. Là aujourd'hui on a les génisses à inséminer qui sont ici, on a un lot, les génisses qui sont maintenant déjà pleines, gestantes. Bon, c'était déjà bien équipé, c'était déjà bien rénové, quand même tapis dans les allées, tapis dans les logettes. On a refait déjà. Ça fait partie de vos modifications avant. Oui, avant. Ok. Du coup, j'arrête la caméra un petit coup devant tes tracteurs. Je vois que pour pas mal de vaches, il n'y a pas beaucoup de machines. C'est un choix. Tu fais peut-être beaucoup appel à l'entreprise. Explique-nous un petit peu. Oui. C'est vrai, on n'est pas grand-chose en matériel. Ouais. Hein? C'est l'entreprise qui fait beaucoup. Oui. Donc la récolte, les ensilages, tout l'entreprise. Oui, on dit toujours c'est des travaux A jusqu'à Z.
Et toi, tu te consacres à tes vaches. À mes vaches. Point. C'est comme ça qu'on fait la meilleure génétique, ouais, où on obtient les meilleurs troupeaux. C'est le meilleur troupeau et la meilleure santé des vaches, bien sûr. Pendant que tu es dans les champs, tu n'es pas près de tes vaches. Tu n'es pas près de tes vaches. On est d'accord. Et c'est pour ça, il n'y en a pas trop de. Ok. Pas trop de matériel. T'as quoi en puissance? C'est celui-là le plus gros? Ça, c'est le plus gros. Ok. Il y a 120 chevaux. Ouais. Il y en a 100 chevaux à côté. Et le petit sur la mélangeuse. La petite est le 120, c'est un vieil... Ancien. Non, le plus ancien, il a déjà 45, 11, 14. Ouais. Déjà 45 ou 50 ans, ce truc. Comme toi. Oui, c'est mon âge. Bon, là qu'on est terminé notre visite. On a fini la visite, ouais. Je vais préparer mon mélangeuse, ouais, pour... pour donner à manger. Ben, je fais quelques images et puis on se retrouvera tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de soucis. Ça marche, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon, Loïc, j'espère que ça t'a plu. Ah bah, un bâtiment comme ça, puis une exploitation comme ça, bien sûr. Belle exploitation, en tout cas. Merci. Bon, tout à l'heure, je l'explique quand même rapidement, c'est pour ça qu'il y a une grosse différence de lumière. Il y a eu un vélage, du coup, c'est pour ça que tu n'as pas pu donner la mélangeuse. C'est pour ça que j'ai que le chargement. C'est que la... désolé, mais les veaux avant bien évidemment. Tout. Hein. Donc, j'ai pu refaire quelques vues des parvents, quelques vues des vaches dans les bâtiments, donc impeccable. J'espère que tu en as tout vu, bien fait. Impeccable. Encore merci pour l'accueil. De rien de tout. Et maintenant, c'est... on va boire un coup quand même. Il y a des beaux bancs là, exprès pour. Impeccable, on y va alors. C'est parti, merci. Il n'y a pas quelque chose d'hollandais là? Un snap de fou qu'on n'a pas. Il y a quoi en alcool hollandais? Rien. Rien la de... La bière peut-être, si, de la bière. Une bière. Bon, t'as sûrement pas là, mais... Une bière. Ta mère, elle a envie de... dans nos bouteilles carrées là. Ah oui, un truc de blé, hein. Ça fait un bon truc. Non mais moi j'ai la route. Hein. Ah oui, oui, non mais ça, vas-y, il est fort. Hein. C'est comme le Mirabel, on va chercher. Ouais. Du coup, on va arrêter la vidéo là, encore merci pour l'accueil. J'espère que la vidéo aura plu à tout le monde, et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi. Santé, merci. Allez. Tranquille, il est bon. Avec eux.